Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai découvert cette ville incroyable, hallucinante, pleine d'énergie, de monde. J'étais très choqué en voyant ces milliers d'enfants qui zonnaient dans les rues. Mon projet s'est transformé, est devenu une fiction sur les enfants des rues, mais avec comme deuxième personnage la ville de Kinshasa. C'est devenu le long-métrage de fiction Kinshasa Kids. J'ai tout fait pour que ces enfants puissent sortir de la rue. Certains ont pu étudier, ont été dans des centres où ils ont eu un apprentissage aussi, un métier. Je me suis rendu compte de l'intérêt de la problématique des enfants des rues. Ça a donné naissance au projet en réalité virtuelle Kinshasa Now. Il y a un film qui raconte la vie d'un groupe d'enfants dans les rues et que l'on peut voir avec des casques de réalité virtuelle. J'ai découvert la situation des filles dans les rues. Les filles, on les voit moins, mais néanmoins, elles sont là. Elles vivent en groupe, en clan, ce qu'elles appellent des écuries. Elles ont des grades, elles subissent des violences physiques, sexuelles. Elles sont obligées de survivre comme les autres enfants en mendiant. Certaines doivent voler, la prostitution. Les filles sont probablement moins visibles parce qu'elles se cachent plus, parce qu'elles sont plus violentées. I Am Chance parle de la problématique des enfants qui vivent dans les rues. C'est pas qu'à Kinshasa, c'est ailleurs en Afrique. C'est sur tous les continents. On parle de 200 millions d'enfants qui vivent dans les rues. Alors il y avait déjà une amitié avec Chancelvie. Elle avait 15 ans. Enceinte et vivant dans un conteneur en dehors de Kinshasa. On a décidé de faire ce film avec elle et ses amis. Elle participe à des parades ou à des moments de musique, mais aussi des moments de tension très violente, puisqu'il y a des disputes entre elles ou avec d'autres clans. Il y a des agressions. C'était très intime. Parfois, on n'était que trois, deux caméramans congolais et moi. Et c'est ça qui donne cette intimité, cette proximité, cette énergie. On pouvait réagir au moment même sur « Ah, il y a un événement. OK, on le suit. » Le plus choquant dans cette histoire, c'est que ces filles sont obligées de vivre, notamment en se prostituant. Malheureusement, ça fait partie du quotidien de ces filles. La prostitution, pour elles, c'est le seul moyen de survivre, d'avoir à manger, de s'acheter des vêtements. C'est devenu quelque chose de complètement banal. Faire des films avec ces enfants, c'est leur donner une voix, montrer que ces enfants existent, qu'elles ont des droits. C'était ma petite pierre, ma petite goutte dans cet océan de difficultés et de problèmes.